Donc je fais ma méditation du jeudi soir, comme prévu, d'accord, à 18h. Donc je vais peut-être arrêter la musique pour changer. Ce soir, je vais faire sans musique ce soir. Voilà, je vais faire sans musique ce soir pour que tout le monde m'entende bien et pour éviter que je parle trop fort. Parce qu'en méditation, j'ai tendance à baisser le ton au fur et à mesure que je parle. Donc, je suis très très heureuse de vous retrouver ce soir pour la méditation. Très très heureuse. Parce que ça bouge beaucoup, beaucoup. Il se passe plein de choses. Il se passe plein de choses. Au niveau des énergies, des dates, l'horoscope, enfin tout plein de choses. Donc, la semaine prochaine, ne vous tracassez pas, on continuera de faire des méditations comme je vous avais prévenu. Il n'y aura plus de cours de gym la semaine prochaine, c'est vacances scolaires, mais je vais faire une méditation tous les jours, parce que le mois de décembre est très important. Le mois de décembre est très 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 important. C'est très très important. C'est maintenant. C'est maintenant que ça doit bouger. Donc comme je ne suis pas là demain, j'ai fait mes deux vidéos aujourd'hui. Et je vous retrouverai donc lundi. Alors, on va prendre le temps. Vous avez vu la flamme, comment elle bouge? La flamme de la bougie? Donc, je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas. Marie-Christine Gendron, éveilleur de conscience, sophrologue, énergéticienne, guérisseur canal 5D. Et donc les énergies vont très très vite, sont de plus en plus puissantes. Le voile se déchire. Le voile se déchire de plus en plus. On entre de plus en plus vite dans la méditation et on ressort de plus en plus vite de la méditation pour revenir dans la matière. Car il est très important de continuer de s'ancrer. Si vous voulez continuer d'avancer, d'évoluer vers la spiritualité, votre spiritualité intérieure, pour développer vos antennes cosmiques, il est important de continuer de s'enraciner, de renforcer ses racines terrestres. Voilà, pour pas, il faut être ancré, recentré et rester bien dans ses pieds, dans ses chaussures et pas marcher à côté. Alors, on va commencer la méditation. Comme d'habitude, je laisse faire les choses. On verra bien ce qui va se passer. Personnellement, je mets mon intention vers une personne. Comment expliquer ça? Je vais dédier cette méditation-là à cette personne-là qui rencontre et qui vit une expérience très douloureuse et traumatisante. Donc on va dédier cette méditation là pour aider quelqu'un à distance. Donc pendant quelques secondes, je vais vous laisser le temps de penser à quelqu'un qui est en pleine souffrance ou qui a besoin de votre aide, de votre soutien, d'accord, et on va travailler dans ce sens ce soir, ok? Donc je vous laisse quelques temps pour réfléchir à qui vous pourriez envoyer votre énergie, votre intention, vos pensées lumineuses, des pensées bien sûr positives, bien entendu, il faut être dans la lumière, dans l'amour et envoyer des pensées positives à cette personne.
Voilà, donc je pense que vous avez pensé à quelqu'un. Maintenant, vous allez prendre, on va prendre le temps de s'intérioriser, de prendre le temps de demander de l'aide, à nos guides, à votre famille de lumière. Demandez de l'aide pour être protégé et pour être dans l'alignement de votre âme, cœur et corps, que tout soit réaligné dans l'amour, dans la lumière, et demandez protection pour vous et pour la personne. On va d'abord prendre conscience de sa respiration. On installe sa respiration dans le bas de son ventre. Vous êtes dans une position assise, et vous prenez conscience de votre verticalité. Et vous laissez tout simplement votre ventre respirer. Et vous êtes complètement dans l'observation de votre corps qui respire. Comme si chaque cellule de votre corps se gorgeait de chaque inspiration, pour se nourrir de tous ses bienfaits à chaque expiration. De votre côté, vous faites la même demande. Nous demandons ici et maintenant le soutien, la protection, la guidance des anges, des archanges. Raphaël, Michaël, Gabriel, Uriel, Métatron. Nous demandons aussi la présence des maîtres ascensionnés. Nous demandons la présence de notre famille de lumière, de tous les guides de lumière qui sont de l'autre côté du voile. Demandez l'aide aussi à vos frères des étoiles, demandez de l'aide aussi à ceux qui vivent dans l'aura de la terre. Nous appelons ici la grande fraternité blanche, toute la hiérarchie spirituelle des hautes sphères, et nous les remercions d'être ici. Nous demandons de l'aide, ici et maintenant.
Vous prenez conscience de votre verticalité à nouveau. Si vous avez les pieds au sol, il vous est plus facile de prendre conscience de vos racines, de vous relier à la terre. Et pour les autres, assis en tailleur, prenez conscience de votre colonne vertébrale, de votre coccyx relié à la terre. Imaginez qu'à chaque inspiration, vous faites remonter l'énergie de la terre jusque dans le bas de votre ventre ou dans votre coccyx. Et vous dites, je suis relié à ma terre. Je suis relié à ma terre. Visualisez votre corps attaché à la terre. Et maintenant que chaque personne est reliée à la terre, on va tous se concentrer sur notre coccyx, qui se gorge et qui se remplit de la lumière de la terre-mère. Et vous laissez remonter cette énergie de la terre dans chaque vertèbre. Remontez en pleine conscience et mettez l'intention de remplir votre colonne vertébrale de la lumière terrestre. Votre colonne vertébrale devient comme un faisceau de lumière. Un néon de lumière. Ce néon de lumière qui irradie la lumière de chaque côté en remontant pour vous entourer d'une aura lumineuse dans le bas de votre corps, devant, derrière, à gauche, à droite. Visualisez la même chose dans le milieu de votre dos. Visualisez la même chose au milieu de votre dos, derrière le cœur. Et voyez ce néon de lumière briller jusque à votre nuque. Et cette lumière illumine votre tête. Pour accentuer ce processus, vous inspirez profondément l'énergie de la terre, du coccyx, le long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet de votre crâne. Et à chaque fois que vous allez expirer, vous laissez redescendre cette lumière devant votre corps, votre gorge, votre cœur, le chakra solaire, le centrara, jusque en dessous du premier chakra, rejoindre la terre. Et vous inspirez tout le long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet, l'énergie de la terre.
Et à chaque expiration, elle redescend de votre crâne jusqu'au premier chakra, entre les organes génitaux et l'anus, pour s'enfoncer à nouveau dans la terre. Imaginez qu'à chaque fois que vous inspirez, cette lumière remonte le long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne, et qu'à chaque expiration, elle redescend de votre crâne jusqu'à la terre pour transmuter toutes les vieilles énergies de votre corps physique. Voyez ce parcours se faire à chaque inspiration, à chaque expiration. Visualisez cette lumière, ce néon de lumière qui brille dans votre dos et qui redescend et qui dégouline le long de votre corps pour retourner à la terre. Votre colonne vertébrale se nourrit de la terre, de tous ses bienfaits. Elle vous apporte le soutien. Le soutien. Sentez le soutien à chaque inspiration. Et dites, je me sens soutenu. Je me sens soutenu. Et mettez l'intention qu'à chaque expiration, cette énergie de la terre qui redescend le long de votre corps devant vous purifie, nettoie et enlève toutes les limitations, les peurs, les traumatismes, les blessures, tout ce qui vous dérange. Laissez votre corps se nourrir à chaque inspiration et qui va permettre ensuite de transmuter toutes ces vieilles énergies. Et à chaque expiration, on demande à la terre de la remercier. On remercie toutes ces énergies qui sont transmutées par la terre. On remercie. Merci à la terre de bien vouloir recycler toutes ces vieilles énergies. Merci à la terre de bien vouloir recycler toutes mes limitations. Merci à la terre de bien vouloir recycler tout ce qui ne m'appartient plus. Merci à la terre de bien vouloir recycler tout ce qui n'est pas divin. Tout ce qui fait partie de la troisième dimension. Et visualisez cette colonne de lumière qui monte et qui descend.
Sentez combien ce travail vous soutient de plus en plus. Et plus vous êtes dans ce soutien, plus vous vous élevez. Plus vous vous sentez soutenu. Plus vous sentez l'énergie de plus en plus présente qui tourbillonne autour de votre corps, qui monte et qui descend. Et au fur et à mesure que vous respirez, toutes vos cellules s'élèvent, baignent dans cette énergie de soutien. Vos cellules se sentent soutenues. Vos cellules bénéficient de cette énergie puissante. Vous êtes soutenu. Et maintenant, vous mettez votre regard intérieur vers l'énergie du ciel, de notre ciel. Imaginez une colonne de lumière qui descend sur votre crâne à chaque inspiration. Inspirez une lumière blanche, remplie d'étoiles qui descend, qui rentre par votre tête, qui remplit votre corps, qui traverse votre corps à la verticale. Inspirez l'énergie du ciel jusque dans vos racines. Cette énergie descend, remplit votre gorge. Traverse votre cœur. Le chakra solaire. À chaque fois que vous inspirez, vous vous reliez encore un peu plus au ciel. Et à chaque fois que vous expirez, vous faites descendre cette lumière blanche remplie d'étoiles qui descend maintenant. Qui descend dans le centre Ara, sous le nombril. Qui traverse maintenant le premier chakra entre les organes génitaux et l'anus. Et qui rejoint la terre pour ensoleiller vos racines. Inspirez l'énergie du ciel
Expirez cette lumière blanche remplie d'étoiles jusque dans vos racines. Et vous dites, je suis relié à mon ciel. Je suis relié à mon ciel. Visualisez cette colonne de lumière à chaque inspiration qui descend sur vous et qui grandit jusqu'à vous entourer. Inspirez cette lumière, expirez cette lumière. Vous êtes maintenant dans ce tube de lumière blanche, dans cette colonne de lumière blanche, votre respiration consciente enrichit la lumière, l'intensifie, réactive en vous le pouvoir de la lumière. Cette lumière que vous recevez ici et maintenant est information, la connaissance de tout l'univers. Nous sommes en train de retrouver la vérité, de retrouver notre véritable connaissance qui est à l'intérieur de nous. Nous sommes en train de la retrouver. Et nous réactivons tous ces codes de lumière en nous pour intégrer, comprendre. Visualisez cette colonne de lumière qui est maintenant en vous, qui vous traverse, qui est tout autour de vous. Visualisez-la et vous voyez que cette lumière vous nourrit aussi. Voyez cette lumière vous nourrir, vous guider. Cette lumière qui nous guide et qui descend sur la terre, dans nos racines, pour nous accompagner. Mettez l'intention. Ah, zut. Restez dans la décontraction. Restez les yeux fermés.
Inspirez la lumière du ciel. Expirez la lumière du ciel et emmenez-la vers vos racines, vers la terre, ensoleillée par votre amour et votre gratitude. Cette lumière céleste qui se marie avec l'énergie de la terre maintenant. Laissez-vous inspirer par cette lumière céleste et remplissez tout votre être de gratitude. Remplissez toutes vos cellules de lumière céleste. Et demandons à tous nos corps, le corps physique, émotionnel, mental et spirituel, de se réaligner à cette lumière, à cette colonne de lumière qui descend sur nous. Demandons à tous nos corps non seulement de se réaligner, mais de leur demander de travailler en partenariat avec eux. Et vous faites descendre, nous faisons descendre ici et maintenant toute cette belle énergie sur nous. Visualisez que vous devenez ici un canal. Voyez-vous comme un canal qui reçoit la lumière, qui reçoit la connaissance. Voyez-vous comme un canal qui reçoit l'information pour votre terre-mère, pour vos frères et sœurs. Voyez-vous comme un canal qui reçoit la lumière pour manifester à l'extérieur de vous cette lumière sur terre. La lumière qui est information, la lumière qui est la vérité, la lumière qui est la connaissance. Et dans cette énergie qui monte et qui descend, vous prenez conscience du canal que vous êtes et de la force de l'intention. Vous êtes ancré dans la lumière. Maintenant. Voilà. Et accompagné des anges, des archanges, accompagné des maîtres ascensionnés, accompagné de toute cette lumière qui est présente en nous et autour de nous, nous mettons l'intention d'aider la personne à distance qui souffre et qui est dans une expérience
compliqué, difficile à vivre. Vous visualisez cette personne tout simplement et nous demandons que toute la lumière que nous sommes, que le canal que nous sommes et tous les êtres de lumière qui nous accompagnent envoient cette lumière vers cette personne pour lui donner tout le soutien dont elle a besoin. Cette personne a besoin de soutien et nous mettons cette intention. Envoyons de notre cœur à cœur, de notre âme à âme, cette communication subtile en tant que canal que nous sommes, envoyons notre propre lumière dans son cœur. Voyez-vous tout simplement comme un canal. Toute cette énergie qui vous traverse et que vous envoyez maintenant à chaque expiration, inspirez toute cette lumière que vous recevez, expirez toute la lumière dans le cœur de cette personne. Je suis lumière, je suis protection, je suis amour, je suis guérison. Je suis lumière, je suis amour. Je suis protection. Je suis guérison. Je suis plus puissante. Je suis plus puissant que toute malversation humaine. Je suis soutenue par la terre et par le ciel. Je suis aimée. Je suis aimée. Et en tant qu'enfant divin, j'envoie toute ma lumière et mon amour dans le cœur de cette personne. N'ayez aucun doute que cette personne reçoit votre lumière. Ne mettez aucun doute, soyez dans la certitude que la personne reçoit dans son cœur votre soutien. N'ayez aucun doute dans cette intention. Et visualisez cette personne qui reçoit inspirez la lumière que vous recevez. Expirez la lumière de votre cœur dans ce cœur, dans le cœur de la personne que vous visualisez.
Et nous mettons l'attention que ce que nous donnons, ce que vous donnez, ce n'est que du soutien, de la protection, de la lumière et de l'amour. Et vous pouvez maintenant visualiser tout ce que vous avez donné, cette colonne de lumière qui maintenant est présente et qui soutient cette personne. Visualisez cette personne dans la colonne de lumière. Cette colonne qui est reliée au ciel et à la terre. Cette colonne de lumière qui entoure la personne qui maintenant se sent soutenue. Visualisez maintenant votre propre lumière en tant que canal sur cette personne qui maintenant non seulement se sent soutenue, mais cette personne qui lâche prise
qui se laisse complètement aller dans cette lumière, qui s'abandonne totalement dans cette lumière. Voyez cette personne s'imprégner de cette lumière et tout son corps et son esprit se laissent faire. C'est comme si vous voyez cette personne s'endormir. Elle reprend force et courage. Cette personne que vous avez visualisée complètement anéantie par tout ce qui se passe autour d'elle se redresse et se remet debout. Cette personne a repris beaucoup de force grâce à ce que vous avez envoyé. Et décide maintenant de reprendre son pouvoir divin. Décide à nouveau de continuer. Vous voyez les traits de son visage qui se détendent. Vous voyez son visage qui ébauche un petit sourire, un sourire faible. Mais un sourire quand même, qui va lui permettre de reprendre goût à la vie, qui va lui permettre de lui redonner la force et le courage d'avancer et de croire à un résultat positif. Envoyez tous ces mots de pouvoir, lumière, amour, paix, guérison, lumière, amour,
Nous remettons cette personne dans les bras de l'univers. Il va être pris en charge, cette personne sera prise en charge. Et faisons confiance maintenant à l'univers. Soyons dans la confiance et aussi dans le lâcher-prise. Nous savons maintenant que tout, absolument tout, se passera merveilleusement bien. Nous allons remercier maintenant toutes les présences qui nous ont accompagnées, qui nous ont guidées pour faire ce travail de soutien. Manifestons à l'extérieur de nous, à partir de maintenant, cette énergie de soutien pour les personnes que nous croisons. Nous en faisons la demande ce soir, qu'à partir de maintenant, nous choisissons ici et maintenant de manifester à l'extérieur de nous une énergie de soutien pour le bien commun de l'humanité.
reprenons conscience ici et maintenant de l'endroit où nous sommes assis. Tout notre corps pétille d'énergie, de légèreté. Et nous reprenons conscience de nos racines, de nos pieds dans nos pieds, de nos mains dans nos mains. Et tout doucement, chacun à son rythme, vous revenez ici dans votre pièce, dans votre décor. Vous revenez ici dans votre monde qui vous entoure. Et on s'étire comme un chat. On bâille. On frotte son visage. Bouf ! Il fait froid quand on revient. On revient ici et maintenant. Prenez le temps pour revenir. Coucou Vincent, Didier, Gérard, Manu, Pape Nyang, Hervé, Jean-Brice, Nicolas, Nico, Jérôme, Wassim, ça doit être ça, Wassim, excuse-moi si j'écorche ton prénom, Estelle, Max, Arnaud, je vous remercie beaucoup, 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 beaucoup pour ce travail qui a été fait. Ce soir, sachez que demain, le 18, il y a une grande, 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 c'est pas une, vraiment une, enfin si, une manifestation, enfin un rassemblement à Paris, demain, le 18. Voilà, quelque chose d'énorme. Pensez à donner toute votre bienveillance demain à Paris à partir de 10h. Merci beaucoup de tout cet amour que vous avez donné à la personne que vous avez choisie, de votre soutien, de votre... Vous avez certainement vu beaucoup de choses, beaucoup de ressentis, des messages peut-être aussi. Si vous avez des commentaires à me donner, ben vous les envoyez en privé ou vous mettez ça sous la vidéo. Et j'espère que le fait d'avoir donné votre lumière et votre amour à cette personne en souffrance, j'espère que cela vous a aussi donné beaucoup d'amour à vous-même, car plus on donne et plus on reçoit. Plus vous êtes dans le donner et plus vous recevez. C'est la croyance, la vraie croyance. La vraie, vraie, vraie croyance. Plus je donne et plus je reçois. C'est une loi de l'univers. Donc quand vous donnez de l'amour à quelqu'un, vous vous sentez merveilleusement bien. C'est très gratifiant. Je vous remercie aussi du fond du cœur pour tout ce travail que vous avez fait ce soir. Et si ça vous intéresse, on pourra recommencer de faire des méditations comme ça pour
pour la terre, pour quelque chose en particulier, si vous avez des idées. D'accord? Et là, on se connecte tous. Ben, il y a des méditations mondiales. Hein. Moi, je participe aussi aux méditations mondiales. Donc, la semaine prochaine, beaucoup, beaucoup, beaucoup de méditations, une par jour, avec des horaires différents. Donc, je reviendrai vers vous lundi, parce que demain, je ne suis pas là. Je suis à Paris. Je vous adore tous. Je vous aime. Et pensez à nous demain à Paris. Pensez à nous. On a besoin de vous. On a besoin de votre soutien, de votre amour. Pensez à nous. Et je vous souhaite une très, très belle soirée. Plein, plein de bonnes choses. Et puis, si ça vous a plu, vous pouvez partager la vidéo, mettre un petit cœur. Un petit pouce sous la vidéo. La vidéo peut se faire en replay pour les personnes qui viennent de se connecter. Vous pouvez la faire en replay. Ma chaîne YouTube, Marie-Christine Gendron. Donc, si vous voulez vous abonner à ma chaîne, il n'y a pas de souci. Au contraire, hein, comme ça, je pourrai plus tard, quand j'aurai un nombre assez grand d'abonnés, je pourrai faire des vidéos en direct, en live sur YouTube. Pour l'instant, je ne peux pas. Voilà, voilà. À lundi, bisous, bisous. À lundi pour une méditation. Bonne soirée à tout le monde.